C'est doux comme du coton, mais brrr, c'est froid. Ah ! Pour se réchauffer, il faut mettre ses moufles. Voilà. Viens, nounours. Maintenant, on va faire de la luge. Tu entends ce drôle de bruit ? On dirait que je marche sur du papier froissé. C'est rigolo de marcher dans la neige. Pour faire de la luge, il faut monter tout en haut. Ah, ça glisse ! Je m'enfonce ! Oh non ! C'est tout doux, ça fait pas mal. Tu n'as pas froid, nounours? Là, tu auras chaud. Oh non! Arrête-toi, luge! Bonjour, Trotro. Je peux jouer avec toi? Oui, aide-moi à remonter la luge. Ouh. Merci, Lily. Elle était haute, cette montagne. Ouh, maintenant, nous pouvons descendre tous les deux. Prête, Lily? Tu n'as pas peur? On va glisser très vite. J'adore ça. Dépêche-toi. Tu ne pousses pas assez fort. Tiens-toi bien. Je pousse très fort et je monte sur la luge. Attends-moi, Lily. Tu vas trop vite. C'est bien de faire de la luge. Oh oui, ça y est. Je t'ai doublé. C'est encore mieux sur les fesses. On va faire un goûter. Ah! Oh! Oh! Tu peux m'aider, Lily? Viens, Trotro, on sera mieux sous cet arbre pour goûter. On va manger du chocolat. On va partager. Le chocolat avec du pain, c'est bon. Mmh. Oh non! C'est tout fondu. C'est normal, le chocolat, ça fond quand il fait chaud. Mmh. C'est bon quand même, le chocolat fondu. Oui, mais ça colle. Tiens, rince-toi les mains, Trotro. Moi, j'ai encore faim. Pas toi, Lily? Des gâteaux à la fraise. Mmh. Ah,
ça va être bon. Une abeille! Ne bouge pas, Lily. Tu sais, les abeilles préfèrent les gâteaux aux petites filles. Oh, oh merci, Trotro. Tu m'as sauvée. Maintenant, j'ai soif. Je n'ai qu'un seul jus de fruits. Et moi, j'ai deux pailles. C'est rigolo de goûter sur l'herbe. Oh oui. Oh non, il pleut. Notre goûter est fichu. On va être tout trempé. Mets-toi sous la nappe, Lily. Elle va nous abriter. Votre goûter, les enfants. Merci, maman. C'est bon de goûter à la maison. Chaud. Oh, les fleurs, qu'est-ce qu'elles ont? Regarde, nounours, elles ont l'air fatiguées. Elles ne sentent plus très bon. Oh là là, il fait trop chaud. Quand il fait chaud. Les fleurs, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Je vais leur donner à boire. Oh. Oh. C'est lourd. Oh. C'est pas le sable qui a soif, ce sont les fleurs. Avec le tuyau d'arrosage, ce sera plus facile. Tiens, nounours, tu vas m'aider. Hop. Et... Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Toi, tu as bu, nounours, mais pas les fleurs. Il faut beaucoup de seaux d'eau. Vous êtes trop nombreuses, je n'y arriverai jamais. Oh. Hein? Oh, je crois qu'il va pleuvoir. Oui, 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 il pleut. De l'eau, de l'eau. Regarde, nounours, les fleurs sont sauvées. Merci, la pluie qui nous rafraîchit. Merci, madame la pluie.
Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement! Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Bravo, papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler. Il n'y a plus de vent, Trotro. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas. Je te passe Trotro. Tiens, Trotro, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà, je l'ai trouvé. Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant... les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil.
Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée, je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh ! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman, ils vont être étonnés. Papa, 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 tu as vu mon t-shirt ? Oh, superbe ce tigre Trotro ! Tu as dessiné sur ton t-shirt Trotro ? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Et maintenant, Trotro fait une passe. Et c'est encore Trotro qui récupère le ballon. Super, bravo Trotro. Et maintenant, un but. Oh, oh, mais c'est un bébé oiseau. Qu'il est mignon. Mais où sont tes parents? Tu ne peux pas rester tout seul, tu es trop petit. Tu ne sais même pas voler. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je vais te fabriquer un petit lit. Il ne te plaît pas? Peut-être que tu as soif. Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé. Tu as faim. Regarde, il reste encore une glace. Tu vas te régaler. La fraise, c'est mon parfum préféré. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas la glace? Je vais voir ce que je trouve d'autre. Peut-être que tu préfères le fromage. Tu as l'air un peu difficile. Mais je vais chercher quelque chose d'autre. Là, si ça ne te plaît pas, je ne sais plus quoi te donner. Mais que se passe-t-il, Trotro? D'où vient ce petit oiseau? Tu sais, il était abandonné tout seul au pied du pommier, alors je l'ai rapporté à la maison. Mais Trotro, ce petit oiseau a besoin de ses parents. Ils sont partis lui chercher de la nourriture. Alors que faut-il faire, maman? Nous allons le remettre dans son petit nid. Regarde, maman, le petit nid est là. Tu vois, ses parents ne sont pas là. Pose le petit oiseau dans son nid, Trotro, et nous allons bien voir. Regarde, Trotro, voici ses parents. Oh, il a l'air de bien aimer les vers de terre. Tu vois, Trotro, ses parents savent ce dont il a besoin. Ils ne l'ont pas abandonné. Tu sais, maman, je suis bien content que le petit oiseau ait retrouvé ses parents. Papa, vite! Je veux jouer avec mon nouveau jeu! Va chercher le tuyau, Trotro. J'y vais! Tu peux ouvrir le robinet, Trotro. Oh! Oh!
Et hop, le vert. Le blanc. À toi, monsieur le rouge. Vite, à la pêche. Oh, raté. Oh, encore raté. Tu n'es pas gentil, le rouge. Je vais essayer le vert. Oh, papa, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Trotrot? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trotrot, et tu vas y arriver. Voilà, oh, comme ça. Ouais, un poisson. Oh, un deuxième, et tout seul celui-là. Oh, Trotrot, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Donne, c'est ma canne. Hé hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah! Lily, tu m'as fait rater mon canard! Et le poisson rouge! Ce n'est pas juste! Hey, Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette. D'accord. Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trop trop, Lily, Boubou, venez goûter. Oh. Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ah, ils ont invité plein de copains à goûter. Je suis bien dans mon lit. Ce matin, j'ai décidé de rester au lit. Ton petit déjeuner est prêt, Trotrot. On peut très bien s'amuser dans son lit. Comme jouer à l'explorateur, par exemple. Je suis dans une grotte mystérieuse. Trotrot, hein? Ton petit déjeuner va être froid. Oh. C'est grand ici. Je vais jouer au cirque et regarder Nounours qui fait son numéro. Et un saut périlleux arrière. Deux sauts périlleux arrière. Ouais, bravo, Nounours. Allez, encore une fois. Ouais, bravo, Nounours. Je ne suis pas contente du tout, Trotrot. Et maintenant, je suis sur un radeau pris dans la grande rivière. Trotrot, je vais venir te sortir du lit. Oui. Plongeons. Nage, nage, nage. Trotrot. Quel paresseux ce Trotrot. Thank you.
Ouais. Ouais. Rester au lit, c'est bien, mais jouer dehors, c'est encore mieux. Trotro, réveille-toi. Va vite faire ta toilette. La toilette. Quand on commence au début, c'est toujours embêtant. C'est froid. Mais quand on continue, après, c'est marrant. D'abord les mains. Ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. Il faut frotter de haut en bas. J'adore le dentifrice à la framboise. Belle dent blanche. Tu es tout beau, mon trotro. Tu es tout beau, mon trotro. Trotro, tu as fini? Oui. Oh là là, Trotro, mais tu es tout sale. Va vite faire ta toilette. Mais je l'ai déjà faite. Eh bien moi, je crois que tu vas devoir recommencer. Faut tout recommencer. Faire sa toilette au début, c'est toujours embêtant. Mais quand on continue après, c'est amusant. D'abord les mains, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. C'est froid. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. J'adore le dentifrice à la framboise. Tu es tout beau, Trotro. J'adore faire du roller. Je n'en ai jamais fait. Ce qui est bien avec les rollers, c'est qu'on n'a pas besoin de ses chaussures. Facile le roller. Hey, tu vas me faire tomber.
C'est beaucoup plus difficile avec toi. Je préfère en faire tout seul. Regarde, Lily, fais comme moi. C'est facile. L'avion de Trotro, le héros. La cafetière de Trotro, le héros. Attention, Trotro. J'ai failli tomber. Ouf. Applaudissez le grand saut de Trotro, le héros. Hein? Bravo. Oula. Et la chute de Trotro, le héros. Tu as raison, Lily. C'est pas facile, le roller. D'ailleurs, j'en ai assez, moi. Ce qui n'est pas bien avec le roller, c'est qu'on n'a pas ses chaussures pour rentrer à la maison. Boing. J'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, Trotro? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, Trotro, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Joli tir, Trotro. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi? Pas maintenant, Trotro. Tu vois bien que je suis occupé. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, Trotro. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon. Et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Bonjour Lily, tu joues avec moi? 9, 12, 1. Non, pas maintenant, parce que là je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 79, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, Nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là, le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'herbe. Ha 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 ha. Oh. Trotro? Hein? Quoi? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh. Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotro? Trotro? Oh, et si on faisait une partie de ballon tous ensemble? Oui. Vous voyez bien que je suis déjà occupée. Pas maintenant. Ha 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 ha
J'ai bien dormi. Bonjour mes petits pieds. C'est rigolo de jouer avec ses pieds. On peut faire plein de choses. Aujourd'hui, je vais me servir seulement de mes pieds. Et voilà Nounours, le grand acrobate qui va faire une petite pirouette. Très bien Nounours. Et maintenant, une double cabriole. Magnifique Nounours. Je crois que tu es prêt pour le triple saut périlleux. Oui, bravo Nounours, quel acrobate! Et voilà, le numéro de Nounours est terminé. Bravo, bravo! Bienvenue dans le pays où l'on ne se sert que de ses pieds. Maintenant, Nounours, je vais faire ton portrait avec mes pieds. Et voilà ton portrait, Nounours. Oh, cette chambre a besoin d'un peu de rangement. Tu ne trouves pas, Nounours? Et hop, au garage! Ce livre est très intéressant, mais je n'ai pas le temps de le lire pour l'instant. Et hop, rangé! Ce ballon devrait être dans la caisse à jouer. Ouais, du premier coup, je suis un vrai champion avec mes pieds! Qu'est-ce que je pourrais encore faire avec mes pieds? Tiens, Trotro, voilà ton verre de lait. Regarde, maman, aujourd'hui, je fais tout avec mes pieds. Je vais boire mon verre en le tenant avec mes pieds. Trotro, je crois que tu vas faire une bêtise. Oh! Je te l'avais bien dit, Trotro. Ne t'inquiète pas, maman, je vais tout nettoyer. Même les bêtises, on peut les réparer avec les pieds. Bonjour Trotro. Bonjour Boubou. Tu cherches quoi, un trésor? Non, je construis un château. Un château? Un grand château avec des tours. Je peux t'aider? Oui, il faut faire 4 tours. Trop mou. Oh, tu as raison. Il faut le mélanger avec de l'eau. Bonjour Lily. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ramasse des algues et des étoiles de mer pour faire un beau jardin. Et vous? Nous, on vient chercher de l'eau pour construire un château. Un château? Oui, un grand château. Si tu as envie, tu peux venir avec nous. D'accord. Et je ferai le jardin du château. Allez, on retourne au château. Viens avec nous. Mais il est tout petit, votre château. Il n'est pas encore fini, Lily. Regarde, on va faire les tours. Il faut bien tasser. Qu'elle est grande! Vite, construisons les 3 autres. Devant le château, il faut de l'herbe. Et voilà, un
un beau jardin. Et voilà un grand château. Mais il manque une route à notre château. J'ai une idée. Et voilà. Mais il n'y a pas de porte pour entrer dedans. Il n'y a qu'à en faire une. Et voilà, notre grand château est fini. Non, non, il faut aussi le décorer. Attendez, je reviens tout de suite. Tu crois qu'il manque quelque chose? Un drapeau? Un vrai château a toujours un drapeau. Viens, Boubou. Ça y est. Voilà, il est enfin terminé. Notre grand... Oh, wow, un crabe! Regardez, un crabe! On lui a fait une belle maison. On lui a fait un vrai château, tu veux dire. Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Quelle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Oh! Tous ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi? Oui! Des livres! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette! Un jeu pour jouer avec les copains!
Oh, ouais! Le gros maintenant! Oh, exactement ce que je voulais! Qu'elle est belle! Ha ha ha! Ma voiture, elle va vite! Alors, tu es content? Oui! Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant! Ouais, c'est bien! Il faut que Boubou la voie. Allô, Boubou? C'est moi, Trotro. Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi? Tu viens jouer? D'accord. C'est Boubou! Youpi! Viens vite! Oh! C'est la même que la mienne! On fait la course? C'est moi qui vais gagner! C'est la mienne! J'ai gagné! Comment c'est la tienne? C'est la mienne, celle-là! J'ai une idée pour ne pas les confondre. Et Monsieur Nounours prend la tête de la course. Oui. Ouais. Eh, hey, tu les as vues les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer. Moi, je suis le terrible pirate Trotro. Et moi, le terrible Boubou. Il y a la tempête sur la mer. Oh. C'est rigolo, les grosses boîtes de cadeaux. Je vais faire un gâteau, Trotro. Est-ce que je peux faire un gâteau, moi aussi? Bonne idée, mon Trotro. Pour faire un gâteau, il faut de la farine. Pour faire un gâteau, il faut aussi des œufs. Oh! Fais attention, Trotro, il n'en reste plus que deux. Pas facile de casser des œufs. Bravo, Trotro. Pour faire un gâteau, il faut du sucre. Un peu, beaucoup, mais pas trop, Trotro. Touille, touille, je fais de la patouille, touille, touille. Tiens, mon Trotro, le rouleau à pâtisserie. Et roule, roule, petit rouleau. Roule, roule. Des petits trous, des petits trous. C'est encore plus rigolo avec des fourchettes. Tic, 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 tic. Je vais mettre plein de bonnes choses sur ma pâte. De la sauce tomate. Il en faut beaucoup. Du fromage râpé, comme s'il en pleuvait. Ça y est, mon gâteau est prêt. Ne touche pas au four, Trotro, c'est très chaud. Maman a mis mon gâteau au four, juste à côté du sien. Ça sent déjà très bon. Ah.
Et voilà le très beau gâteau de Trot-Trot. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Bien sûr. Il a l'air très bon. Ton gâteau, Trot-Trot, ce n'est pas un gâteau. C'est une pizza. Une très bonne pizza. Oui, c'est la pizza Trot-Trot. Oh oui, il nage très bien. Il nage comme un canard dans l'eau. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait de la pluie? De la pluie? Mais comment? Avec le tuyau. Attention, tu me mouilles. Mais Trot-Trot, tu es déjà tout mouillé. Toi aussi, tu es toute mouillée. Oh, arrête, Trot-Trot, arrête de m'arroser. Lily, regarde! Moi aussi, je nage comme un canard! Attends, j'arrive! Oh, et moi, je nage comme un poisson dans l'eau! Et mon poisson rouge, il a peut-être envie de nager avec nous? Il est beau, ton poisson rouge! Oui, et il nage comme un poisson dans l'eau! Attention, voici Maurice, le poisson rouge. Allez, nagez, monsieur le poisson rouge. Allez, Maurice, sors de ta maison. Regarde, Lily, comme il nage vite. Oh. Mais où est-il? Je crois qu'il est derrière toi. Oh, oui, il est ici. Oh, non, il nage vers toi, Trot-Trot. Mais où est-il? Derrière toi, je crois. Non, je ne le vois pas. Il a disparu. C'est bizarre. Trot-Trot, Lily, c'est l'heure du goûter. Ah, viens, Lily, on va goûter. Et Maurice, le poisson rouge? Il s'est peut-être caché sous le canard. Wouah! T'as vu ça? Il nage et il vole. C'est un poisson volant. Mais tu sais, Trot-Trot, je crois qu'il est bien mieux dans son bocal. Oui, c'est la maison du poisson rouge.